congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombola Bendel et Ambo Kanabiso. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Lundi 5 février 2024, il y a eu parade mixte de la PNC et FARDC au camp Ridjaf. Cette parade a été présidée par l'inspecteur général de la PNC.
venu expressement de Kinshasa pour ceux. Il est arrivé à 8h30. Dans son mot, le commissaire général de la PNC a traité de 3 points. Il y avait la discipline vraiment pour le PNC et l'RDC. Et là-dedans, il avait fait allusion à l'obéissance sans conteste. Il a parlé de l'ivresse publique et le problème de chambre. En deuxième point, il a parlé de la politisme de la PNC et FARDC. Vous allez avoir armée et police. Vous allez tata moko bokaboni kaka mama. Vous allez ministère de la défense, le ministère intérieur. Ce banc, vous allez commander suprême. Vous allez 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 élection et zali makamona bisote biso tozaka la mokonzi moko drapeau moko de parti na biso tenga na biso ko tosa mitindo pe le règlement ya école ba e bazali na bizali limabe lingi kolobanini ba e ba mi koti na makamona kati na politique e bina bolamu te armée na police ezali a politique ba e bazali makamo ya politique na kati na bino ezala officier sous officier to gradé sika sika ezali ngonga ya kotika yango bamba te ba kokanga yo akati na bino mingi bazana makambo ya politique na mutu na bango zali a politique kokota na makambo ya politique te soki nde kolona zali politicien asali mabiba kangiye kokota te pour intervenir te. En troisième point, il a dit la police c'est protéger la population et ses biens. Et après cela, il a souhaité une nouvelle année à tout le monde, que ce soit une année heureuse. Les plans 2 heures, soit 3 jours, ont suffi pour les commandements du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord de se rendre compte de quelques réalités sur l'axe opérationnel sud. La délégation du secteur Soukola 1 Grand Nord, sous le commandement du colonel Okoko Bokéan, qui a représenté personnellement les commandants du 10 secteur, a échangé d'abord avec les responsables de la société civile de Kiavinyongé, des l'ICSN, des pêcheurs, et c'est là en présence des officiers militaires de l'armée ougandaise, acquisé par les pêcheurs congolais d'arrestation arbitraire. Le conflit ICSN et population civile, ainsi que l'activisme de groupes armés dans la cité de Kiavinyongé et ses environs, ont été également au menu des échanges entre l'armée et la population. Une commission a été mise en place pour la restitution de matériel de main des marines ougandaises et la libération des pêcheurs congolais arrêtés. Après Kiavinyongé, la délégation du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord s'est rendue dans la cité de Issalé, dans la chefferie de Bachou, au territoire de Béni. De là, une réunion d'échange avec les officiers du 34-16e régiment déployé dans la zone a eu lieu. L'érection des barrières illégales et les tracasseries de la population civile étaient au centre de la discussion. Le colonel Okoko Bokéan a donné l'ordre de supprimer toutes ces barrières. Les tracasseries de la population par le mouvement Mai Mai Bana Bana Teseka dans le groupement Issalé Boulambo, ainsi que la collaboration de certains membres de la communauté dans le mouvement terroriste MTM ISCAP, ont aussi été évoquées au cours de la réunion. Pour chuter, la délégation du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord s'est rendue dans la ville de Butembo jeudi 1er février 2024, où elle a rencontré les membres de l'état-major du secteur opérationnel sud. L'échange s'est centré sur les difficultés des militaires dans l'exercice de l'ordre et surtout l'amélioration des relations entre l'armée et la population dans cette ville pour le retour de la paix durable dans cette partie de la province du Nord-Kivu. Le général-major Mukala Ingoï François, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a visité le samedi 3 février 2004 les militaires de son unité incarcérés au sein de la prison centrale de Dungu, située au territoire portant les mêmes noms dans la province de Haut-Ouélé. Dans son speech aux pensionnaires de cette maison carcérale, le général-major Mukala les a exhortés à la discipline et surtout de s'en donner à Dieu pour leur libération. Car être en prison n'est pas une fatalité, mais plutôt une occasion de changement de mentalité. Donc, on a la prison et on a la prison.
Parce que tout le monde souffre de la rondimate. Ndima et pas Nzambe na sali mabe, na bomaki moto, vraiment Nzambe lingi sangati. Changer mon thème. Pour que tu touches une tata mouronzi en boca, sali bamnisti, dès on a condamné déjà à mort, condamné à perdition. Ou bima on a dit. Mais on a, ah ouais, on a continué le jour au sala mabe. Ah, c'est ici qu'on a un beau congo en thème. C'est tout, c'est donné à Dieu. Nzambe kaka, son nga. Un jour, pourquoi qu'on bima naïe? Mais batignon se va ou bima pété, son bimio bima, ah, bima Nzambe, on y tient pas Nzambe. Si vous espérez qu'il s'y crée ou qu'il s'y crée, vous pouvez le faire. Mais si vous ne mettez pas en zone, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Là, vous avez une prison caporale. Mais là, vous avez un général major. Morning, madame, vous avez une vie qui s'est née. Vous avez une vie qui s'est née. Vous avez une prison qui s'est née. Vous avez une prison parmi les soldats qui s'est née. Vous avez une prison qui s'est née. Vous avez une prison qui s'est née. Merci mon général. Le général-major Mukala Ingoy François, commandant du secteur opérationnel Ouéli, est déterminé de connaître la situation sociale de ces éléments partout où ils seront. Établi par un la qualité est effet. L'organe de la loi dans son réquisitoire poursuit la défense n'a pas fait état de la personnalité de son client, le commissaire divisionnaire adjoint Mouchitou, qui totalise bientôt 45 ans d'ancienneté au sein de la police nationale congolaise. Enfin, la défense a constaté l'absence du procès verbal de saisie de deux véhicules sous examen. À l'issue de répliques et contre-répliques des parties, la haute cour militaire a pris la cause en délibéré et promis de rendre son arrêt définitif dans le délai de la loi. Pour accueillir le général-major Urbain Tambouka-Bamé, nouveau commandant de la 32e région militaire. Monsieur le commandant de la 32e région militaire,
Mon général, cet attachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir. Grand honneur, à l'occasion de votre arrivée à Bouya, je vous invite à passer le détachement à la vue. Comme le détachement, le major, Yuwa, Mandio, Tenel. Arrivé à Bouya, dans l'après-midi de ce vendredi 26 janvier, ce nouveau commandant de la 32e région militaire, sous l'état des sièges en Ituri, qui succède au général-major Peter Chirimwami, nommé depuis quelques mois gouverneur de la province voisine du Nord Kivu, travaillera désormais aux côtés du lieutenant-général Boyan Kachama Djouni et lui portera main forte dans le combat acharné contre le groupe armé hostile au processus de paix amorcé par ce dernier depuis 2 ans, qui est celle de la restauration de la paix en province des Ituri, dans les 2 approches, qui est à la fois militaire et non militaire. Rappelons que le général-major Urbain Tambouka Bamé figure parmi les 3 commandants intérimaires nommés à la tête de région militaire le 7 janvier 2024 dernier par le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Tchoué Songisha. La traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de la garde républicaine a eu lieu le samedi 27 janvier 2024 à la grande parade du camp Tchat située dans la commune de Ngalima. Elle a été présidée par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabik Ephraim, sous le thème « Changement ». Cette cérémonie de grande envergure a réuni autour du commandant de la garde républicaine, le général-major Kabik Kiriz Ephraim, et son adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Moulumba Désiré, les officiers supérieurs, subalternes, les sous-officiers, les soldats ainsi que leurs épouses. Dans son mot de circonstance, le commandant de la garde républicaine a dans son intervention appelé aux militaires sous ses ordres à respecter leurs engagements vis-à-vis du président de la République, Félix Tshisekedi, et la nation. Il a par la même occasion transmis le vœu du commandant suprême aux militaires de la garde républicaine et à leur dépendante. Il n'est pas passé par les dos de la cuillère pour leur recommander les changements à tous les niveaux. De cette occasion, je lance un vibrant hommage et appel à tout militaire de la garde républicaine et à tout commandant des unités de s'approprier ce modèle et étendre la cohésion dans toutes les couches sociales de la garde républicaine. De cette occasion, je tiens à féliciter tous les militaires de la garde républicaine pour les travaux défournis abattis dans les garnisons diverses du pays tout au long de l'année écoulée. Hier d'ouverture dit par les aumôniers catholiques et protestants, le colonel Kissile, chargé du social, a trouvé le mot juste pour le qualifier d'un modèle et un symbole d'amour pour les éléments de l'agir, tout en lui souhaitant le vœu des meilleurs. Qui vous souhaite le bienvenu à cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux pour cette nouvelle année 2024 à travers le comité des épouses de la garde républicaine, mon mandaté de vous souhaiter pour ce nouvel an 2024 une longue vie pleine de succès, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Aussi, de vous encourager et vous remercier pour tout ce que vous continuez de faire pour elles, à travers leurs maris que nous sommes bien sûr, et vous promettre leur soutien et accompagnement indéfectible dans toutes vos réalisations qui vont cadrer avec la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Pour clore en beauté cette cérémonie, le commandant des unités de la garde républicaine, Bessir, 11e, 14e, 15e, 16e, 17e régiment, ont remis des cadeaux à leur commandant, exprimant leur gratitude à son égard suite à son leadership, et un cocktail d'amitié a sanctionné la fin de cet échange de vœux. Yeah.
Échange des terroristes islamistes MTM ISCAP, c'est vendredi 26 janvier dans la cité frontalière de Kassindi entre le général-major Dikolum, commandant contingent ougandais engagé dans les opérations Shujaa, et le colonel Okoko Bokeon, représentant du commandant secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord. 50 djihadistes d'origine congolaise ont été remis officiellement à la délégation ougandaise et 4 djihadistes d'origine ougandaise ont été remis également à la délégation ougandaise. Tous ces désormais ex-terroristes ont été capturés lors des différentes opérations conjointes FARDC-UPDF sur le sol congolais et ils ont suivi des séances de déradicalisation avec l'organisation non gouvernementale Bridgeway. Ces séances de déradicalisation vont continuer au Congo avec la même organisation. Très heureuse de retourner dans la communauté, Foura Estamaria n'a pas manqué d'exprimer sa joie et l'a félicité et encouragé les désarmés pour le travail abattu. Tunashukuru Mungu kwa niaba ya sisi wote wa Kongole. Kwa niaba ya sisi wote waganda, tunashukuru Mungu awalipe kila laheri. Muzidi kuendelea na kazi. Selon les deux commandants, ces ex-djihadistes capturés sur les champs de bataille par les deux armées constituent une énième preuve tangible que le travail dans cette zone de Beni évolue très bien.